bombardement, que vous en pensez? Je peux dans un temps. Pues sí, compa. Esa chola es una ranfla. ¡Te voy a dar, indijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Boludo! Ces mausolées font limite pitié par rapport aux autres. C'est le cartel qui les construit pour ces bouchones. Oh, vous savez quoi? J'assume. Moi aussi, je vois un truc comme ça à ma mort. Tu te prends pour un évisile? Je connais personne chez nous d'assez taré pour avoir envie d'un truc pareil. Je prends le manche. J'y suis, on y va. J'exécute. Je vais tirer. Véhicule d'escorte détruit. Aucune cible sur ce. Ok, on est au calme. On peut aller taper dans le matos. On a besoin de guider ton camion. Au travail. C'est pas le moment on de l'exploser. Une patrouille de l'unidad. De l'infanterie et un camion de transmission en appui. Un peu de matos, ça fera pas de mal aux rebelles. On se l'échappe. Le matos de transmission est en bon état. On va indiquer l'emplacement du camion aux rebelles.
D'accord. Oye, gracias. Maintenant qu'El Cerebro est en fuite, le cartel dégage de Caimanes. On commence à s'implanter, à reprendre leurs quais et leurs ateliers. Bon, et j'en ferai autant avec... Le Pachamama, c'est l'équilibre. L'harmonie avec le cosmos. C'est pour ça que je me félicite de la présence de la Santa Blanca en Bolivie. Ça n'a rien à voir avec l'industrialisation forcée que les gringos et leur CIA ont essayé de nous infliger. Cartel mexicain, ce cartel latino, croit comme moi que les êtres humains sont les gardiens de la Terre. Il y a moyen, si on s'y prend bien, de concilier les intérêts de l'homme et ceux de la Madre Tierra. La Santa Blanca est notre allié, l'allié de notre Terre. C'est de l'avenir de la Bolivie qu'il est question, compañeros, de l'héritage que nous allons laisser aux générations futures. Bonjour aux quatre personnes qui sont avec moi. N'hésitez pas à me jaser.
Pat Katari nous fait savoir que l'un de ces rebelles connaîtrait l'emplacement d'El Sueño. Parlez à... Deux secondes, je prends le volant. Claire, comment on s'en sort? On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer ses marchandises. C'est bon, on peut y aller. Position, feu. On a un problème, les soldats de cartel se pointent. Quoi?
Roman. Attention, ennemi en vue. Contact, ennemi rebelle. C'était juste. Roman. Contact, ennemi rebelle. Je tire. Hola, camarada. Pac, tu nous expliques ce que tu fous, là ? Je vais faire le militaire pour monter. Comme toi. Oui, tu dois mourir en terre bolivienne. Il faut faire savoir aux peuples, au gouvernement, aux autres cartels, que les rebelles ne sont pas les esclaves des Américains. Que nous sommes forts, par nous-mêmes. C'est pour ça que t'as tué Amaru ? Parce qu'il n'était pas assez fort ? Amaru était un idéaliste.
Mais les idéaux ne nourrissent pas un peuple. Ils ne lèvent pas une armée. Ils ne renversent pas un gouvernement corrompu. Conduire ton peuple à l'abattoir non plus. Mes hommes savent que s'ils meurent aujourd'hui, ils reviendront par dizaines de milliers demain. On va leur dire ça quand ils pisseront le sang. Et j'ai appris à accepter une chose ici-bas, c'est la souffrance. Elle soigne, on va la prendre à ses dépens. Alors, si vous ne voulez pas finir de la même façon, je vous conseille de quitter la Bolivie. Merci pour votre aide. Adios, camarade. Merde. Ouais, les gens du coin s'en servent pour l'irrigation. C'est un poil abusé quand même. Le type qui a construit ce barrage, sérieux, il a vu la Vierge. Mais fous-toi couvert. Ils nous ont vus. Merde. Quand tu veux, cher. Les sicarios du cartel nous attaquent. Les dames s'en prend au cartel.
tu foutais ? Attendez. Les sicarios du cartel appelés. Canardé par le cartel. Putain, et maintenant l'Unidad. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Bolivie? Attendez. Sur la mission. Est-ce qu'il y a quelqu'un en Bolivie qui nous tire pas dessus? Tout le monde est prêt? Feu! Merci. Mets tes putains de mains en évidence, tout de suite! J'aimerais bien. Mais malheureusement, j'ai les mains prises pour le moment. Où il est? Je veux voir le grand méchant. Pose-moi ça! Entendu. Adios, señor Katari. T'as 5 secondes pour te mettre à genoux les mains derrière la tête avant que je te colle une balle entre les yeux. Je crois que vous auriez tout intérêt à décrocher agent Bowman. Allô? Chef? Oui. Oui, mais je comprends pas. Chef, non, c'est pas possible. Je suis en train de vous dire que... Écoutez, je vous demande juste de... Chef. Oui, j'ai compris.
fils de pute, putain de merde. Bowman. L'enfoiré. Merde. Bowman, qu'est-ce qu'il y a? Bowman. El Sueño est intouchable. Il a passé un marché et... Un marché avec qui? Avec qui, à ton avis? Le procureur. Attends, tu veux dire que... Il doit nous livrer 4 chefs de cartel et 3 groupes terroristes qui vendent de la cam. Tous ses concurrents. Putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je disais? Quand on a le pouvoir, tout le reste coule de source. Sur ce, je vais vous laisser, Señora Bowman. Alors qu'hier encore, vous étiez mon adversaire. Aujourd'hui, vous n'êtes guère plus que mon chauffeur. Conduisez-moi à vos supérieurs. Je suis désolé. Bowman, non! Oh! Le rêve est mort. Si vous visionnez ceci, c'est que j'ai exécuté El Sueño. Les gens vont sans doute croire que j'ai pété les plombs, que je me suis laissé emporter par l'émotion. Je les emmerde, les gens. Je savais exactement ce que je faisais. Ce petit fumier, ce monstre, a torturé et tué mon ami. Décapité mon associé. Fait des milliers de morts. Lui intouchable ? Oui, mais non. Pas si j'ai mon mot à dire. Vu ce qu'El Sueño savait sur Ricky Sandoval, plus rien n'aurait pu l'arrêter. Petit quiz. Qu'obtient-on en offrant l'immunité à un baron de la drogue? Un point pour ceux qui ont dit « dictateur ». Éliminer un baron de la drogue, c'est une chose. Éliminer un dictateur, là, 4 agents ne suffisent pas. Ma carrière, ma liberté, ma vie ne valent pas plus que la population sud-américaine. Apparemment, tout le monde n'est pas de cet avis. C'est pour cette raison, sans doute, que je suis dans un institut correctionnel fédéral qui me servira mes 3 repas par jour pendant ce qu'il me reste à vivre. À l'heure qu'il est, la CIA a dû publier un communiqué officiel indiquant que l'agent en question, qui n'est plus employé par nos services, contrevenait à un ordre direct de ses supérieurs. Ces actes ont porté gravement atteinte à nos efforts permanents en matière de renseignements intérieurs comme extérieurs. Et vous savez quoi? Ils ont raison. À leur place, j'aurais fait la même chose. C'est sans rancune. Mais j'espère qu'ils ne quitteront pas la Bolivie. Sans pacte Qatari, les rebelles vont s'auto-détruire à coups de lutte de pouvoir. L'Unidad va s'entendre avec la prochaine organisation criminelle. Et les restes de la Santa Blanca vont scinder en multiples mini-cartels avec des noms à la con du genre Nueva Frontera Cartel, Barrio Familia et Los Hijos de El Sueño. Tout le monde va continuer à s'entretuer pour la coca. À votre avis, si Dieu avait su les destructions qu'entraînerait cette petite feuille, est-ce qu'il l'aurait quand même créée? Ou alors, c'est exactement ce qu'il a fait? Je ne sais plus trop. Mais c'est plus à moi de répondre à cette question. Je vous laisse donc avec ça. Les dernières paroles d'Auguste, fondateur et premier régent de l'Empire romain. N'ai-je pas bien joué mon rôle? Applaudissez, la pièce est finie. Bowman, terminé. Je te dis, je vais voir. Je vais te dire, 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 je
100% d'émission pour débloquer. Ça compte pas.